Salut, salut. Et oui, on continue le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule où on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. On continue l'histoire de Daniel. Si tu as raté l'épisode d'hier, va le lire parce que c'était un très beau rappel de la puissance, de la toute-puissance de notre Dieu. Alors n'hésite pas à nous rejoindre. Merci Seigneur vraiment parce que tu es vraiment un Dieu souverain, tout-puissant, éternel. Vraiment merci Seigneur parce que tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Et merci pour toutes les promesses que tu nous as laissées dans ta parole. Je prie pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi, qu'on arrive jusqu'au bout, jusqu'à Apocalypse. Ensemble et aide-nous à pouvoir comprendre le passage qu'on va lire et parle-nous à chacun personnellement dans notre situation au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue donc dans Daniel 4, verset 15. Voilà le rêve que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Quant à toi, Belshazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume sont incapables de me la faire connaître. Toi, tu en es capable, car il y a en toi l'esprit des dieux saints. Belshazzar, c'est Daniel. D'accord? Alors, Daniel, appelé Belshazzar, resta un moment stupéfait, terrifié par ses pensées. Le roi reprit, « Belshazzar, que le rêve et l'explication ne soient pas source de terreur pour toi. » Belshazzar répondit, « Monseigneur, si seulement ce rêve était pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires, l'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime touchait le ciel et qu'on voyait de toute la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel habitaient les bêtes sauvages et dans les branches duquel les oiseaux résidaient, c'est toi, roi. » Tu es devenu grand et fort, ta grandeur a augmenté jusqu'à toucher le ciel et ta domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu un veilleur, un saint descendre du ciel et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc avec ses racines et attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs. » Qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il ait sa nourriture avec les bêtes sauvages jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication, roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira pour mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu habiteras avec les bêtes sauvages et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Tu seras trempé par la rosée du ciel et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui le désire. L'ordre de laisser le tronc avec les racines de l'arbre signifie que la royauté te sera rendue quand tu reconnaîtras que le véritable dominateur est au ciel. C'est pourquoi, roi, veuille écouter mon conseil, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, à tes fautes, en faisant grâce aux plus humbles, et ton bonheur pourra se prolonger. Tout cela devint réalité pour le roi Nebuchadnezzar. 12 mois plus tard, tout en se promenant dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et s'exclama « N'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite pour en faire la résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté ?» Il parlait encore quand une voix venant du ciel se fit entendre. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, que la royauté t'est retirée. On te chassera du milieu des hommes. Tu habiteras avec les bêtes sauvages. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. » Au moment même, la parole fut accomplie pour Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé par la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme les griffes des oiseaux. Au moment indiqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison m'est revenue. J'ai béni le Très-Haut, j'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement, dont la domination est éternelle et dont la royauté subsiste de génération en génération. Les habitants de la terre, tous autant qu'ils sont, n'ont pas plus de poids que le vide. Il agit comme il le désire avec les corps célestes et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui puisse lui résister et qui lui dise «
que fais-tu ? À ce moment-là, la raison m'est revenue. La gloire de mon royaume, ma majesté et ma splendeur m'ont été rendues. Mes conseillers et mes hauts fonctionnaires m'ont réclamé. J'ai été rétabli dans mes fonctions royales et ma puissance n'a fait que grandir. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je célèbre la louange, la grandeur et la gloire du roi du ciel. Tous ses actes sont vrais, ses voies sont justes et il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Daniel 5. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses hauts fonctionnaires au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Sous l'effet du vin, Belshazzar ordonna que l'on apporte les coupes en or et en argent que son prédécesseur Nebuchadnezzar avait enlevées du temple de Jérusalem. C'était afin que le roi et ses hauts fonctionnaires, ainsi que ses femmes et ses concubines, s'en servent pour boire. On apporta alors les coupes en or qui avaient été enlevées du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi, ses hauts fonctionnaires, ses femmes et ses concubines les utilisèrent pour boire. Ils burent du vin et ils célébrèrent les dieux en or, en argent, en bronze, en fer, en bois et en pierre. À ce moment-là apparurent les doigts d'une main humaine et ils écrivirent devant le chandelier sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette partie de main qui écrivait. Il changea alors de couleur, terrifié par ses pensées. Les jointures de ses hanches se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force de faire venir les astrologues, les prêtres chaldéens et les devins. Puis, prenant la parole, il dit aux sages de Babylone, « Celui qui lira cette inscription et m'en révélera l'explication sera habillé de pourpre, portera un collier en or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils furent incapables de lire l'inscription et d'en faire connaître l'explication au roi. Le roi Belshazzar fut alors très effrayé et changea de couleur et ses hauts fonctionnaires furent consternés. Alerté par les paroles du roi et de ses hauts fonctionnaires, la reine entra dans la salle du festin et dit « Roi, puisses-tu vivre pour toujours ?» Ne te laisse pas terrifier par tes pensées et ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Déjà à l'époque de ton prédécesseur, on a trouvé chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar l'a désigné chef suprême des magiciens, des astrologues, des prêtres chaldéens et des devins. C'est ce qu'a fait ton prédécesseur sur le trône. En effet, on a trouvé chez lui, chez Daniel, appelé Belshazzar par le roi, un esprit supérieur de la connaissance et de l'intelligence. La faculté d'interpréter les rêves, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc convoqué et il révélera l'explication. Alors Daniel fut conduit devant le roi. Le roi s'adressa à lui. « Es-tu Daniel, l'un des exilés de Juda, que mon prédécesseur sur le trône a fait venir de Juda ? J'ai appris à ton sujet que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette inscription et m'en fassent connaître l'explication. Mais ils n'ont pas été capables de révéler l'explication des mots. » J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette inscription et m'en faire connaître l'explication, tu seras habillé de pourpre, tu porteras un collier en or à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit devant le roi, « Garde tes dons pour toi et accorde tes récompenses à un autre. Je lirai néanmoins l'inscription au roi et je lui en ferai connaître l'explication. Roi, le Dieu Très-Haut avait donné à ton prédécesseur Nebuchadnezzar la royauté, la grandeur, la gloire et la majesté. À cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues tremblaient et avaient peur devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il donnait une position élevée à ceux qu'il voulait
et abaissait ceux qu'il voulait. Cependant, lorsque son cœur s'est rempli d'orgueil et que son esprit s'est obstiné jusqu'à l'arrogance, il a été précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois béni.